الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا Compte tenu de l'absence des documents médiatiques concernant les quelques personnages ou passages de ce film, on a été dans la nécessité de les représenter par d'autres séquences ou d'autres personnages, qu'ils soient connus ou anonymes afin de donner plus de réalisme à ce projet. Toute ressemblance est pure coïncidence. Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. Que la prière et la paix soient sur son prophète, ses compagnons et les élus, héritiers de sa sagesse témoins de la vérité. Avant que les chanteurs n'entonnent une série de poèmes, puis s'arrêtent pour réciter des versets du Coran. Une autre partie de poème est chantée et le thé est servi à l'assemblée. Ceci s'il n'y a pas de himara, danse sacrée. Et dans le cas contraire, il ne sera servi qu'après celle-ci et la mudakara. Pendant la durée du service du thé, les chanteurs ne doivent s'arrêter de chanter qu'après que les verres ne soient ramassés. Le verre du cheikh restant en dernier. Dans la tradition, le cheikh, ou celui qui dirige le jama'a en son absence, est le premier à être servi et son verre le dernier à être ramassé. Pour signifier la fin du service. Remarque que le thé n'est jamais servi durant la récitation du Coran ou la mudakara. À la fin de ce service, sur un signal du cheikh ou de celui qui dirige la réunion, les chants s'arrêtent. Le jama'a prend fin avec la récitation de la lotfia. Poème d'invocation du cheikh l'Alaoui, que Dieu soit satisfait de lui. Clôture, la récitation en groupe de la Jalala.
puis les présents se lèvent pour se saluer. Celui qui dirige le Jumma doit faire attention au temps demandé par ce dernier. Il ne doit pas le faire durer trop longtemps, comme l'a recommandé le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, pour éviter que la lassitude ou l'ennui ne gagne les participants. Il faut signaler que le cheikh Khaled de Bantounès a insisté sur la nécessité de faire des séances de réflexion intellectuelle. Jumma el-Fikr. Soit après le Jumma hebdomadaire ou d'en choisir d'autres opportunités convenables. L'entrée au Jumma doit se faire en silence et avec piété. Et le participant devra s'asseoir là où s'arrête le dernier rang. S'il lui est demandé d'avancer, qu'il le fasse par le passage prévu à cet effet, sur le côté des rangées, et non, enjamber les épaules des participants. Concernant l'éthique de servir le thé au cheikh, El-Saki, le disciple chargé de cette tâche, doit porter le plateau sur sa main gauche et servir avec la main droite en posant un genou sur le tapis et déposer le verre de thé sur la soucoupe posée devant le cheikh et servir les présents de droite à gauche. Le verre du cheikh et la soucoupe sont ramassés de la même façon. En cas d'absence du cheikh, celui qui dirige le Jumma est servi en premier. Le service du manger devra se faire en silence et dans le calme. Ceux qui en sont chargés ne doivent pas parler entre eux, surtout dans la salle prévue à cet effet, et si l'un d'eux veut demander quelque chose qu'il le fasse par signe, il devra éviter de faire du bruit en déposant les plats et les cuillères.